Lambda, est-ce que le coach a gueulé à la mi-temps? Ouais. Alors, en dehors de le fait de dégueuler, c'était quoi qui vous reprochait essentiellement? On manquait de... On va dire, il n'y avait pas assez d'interceptions et de rebonds. On était bien sur, les lignes de passe. On était bien défensivement, mais il manquait juste la petite interception, le petit rebond. Est-ce que tu résumerais ça par peut-être un manque d'intensité, tout simplement? Non, je dirais plus un manque de... la petite main, tu sais, la petite interception, le petit truc, le corps était là, mais il manquait. Mon avis à moi, ou ce que le coach il a dit? Ton avis à toi. Ah, mon avis à moi, c'est. Ouais, on a. Ouais, je dirais plus, ouais, défensif. On a fait pas mal de pertes de balles aussi, avant la mi-temps. On a laissé pas mal de petits rebonds. On a fini à un interception à la mi-temps et un lancer franc. C'est pas assez. Et voilà. Alors, à la mi-temps, c'était ça le gros problème. Il y a une belle réaction, en tout cas une réaction satisfaisante, j'imagine, en seconde période. Ouais. Ça passe typiquement par ça, un peu plus de physique, on a senti aussi plus d'agressivité. Exactement, c'est ça. Comme tu as dit, hein, il a gueulé à la mi-temps. Donc il y a eu une réaction directe. Voilà, de la part de toute l'équipe. Et voilà, c'est. Après, honnêtement, j'ai été. Vraiment agréablement surpris par l'équipe de Quimper. On avait parlé depuis la saison dernière. Et voilà, ils ont une belle base défensive et ils ont un beau spacing. Donc c'était pas un adversaire si facile que ça. Globalement, c'est votre quatrième match de préparation. Vous avez tout gagné pour l'instant, c'est que les résultats, c'est pas l'essentiel. Ouais. Finalement, votre deux matchs les plus décevants, c'est contre l'Étoile Angers qui est une N1. Quimper qui est une belle Pro B, mais qui est une Pro B. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un peu aussi de relâche quand la préparation se passe bien, les deux premiers matchs super, et là vous êtes contre des adversaires un peu en dessous en théorie. Est-ce que tu redoutes un peu ça dans le groupe, relâchement, on va dire? Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça va peut-être être plus de la performance individuelle, parce que les nouveaux joueurs qui sont là, c'est pas des à part Lassane qui connaît un peu le championnat français, c'est... Il faut de l'ajustement, tu veux dire, par rapport un peu à la découverte du championnat de France et de... Voilà, c'est plus ça. Et ça fait pas très longtemps qu'on est tous ensemble, au collectif. Et non. Franchement, je pense plus que chacun est en train, notamment même moi, est en train de chercher un peu ses marques, sa place. Parce que, voilà, ça va arriver vite, hein, la saison. Et donc, ces genres de matchs-là, chacun le prend à sa façon. Voilà. Chacun se prépare à sa façon, chacun le prend... Parce que là, après, ça reste pour certains, ça reste des matchs amicaux, pour d'autres, ça reste des matchs de préparation, pour d'autres, il y a des choses à prouver. Ça dépend des joueurs, quoi.